Hey, 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 cucu, mes petits culs, et j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché. Oh, vois papa Darion qui est en train de s'occuper de son petit garçon, mais je suis pas trop mignon ça, les enfants. En tout cas, petit bébé va vite devenir grand parce que c'est bientôt son anniversaire, donc on va le voir arriver en bambin. Oh my god, oh my god. Comme il est très très sage, je pars sur le postulat qu'il n'aura pas les cheveux blonds. Ça, c'est une inside joke pour ceux qui suivent le Decade Challenge. Hein. On se comprend, les enfants chiants, c'est les enfants blonds. Et lui, il est très sage, donc il doit être à avoir les cheveux noirs comme papa. D'ailleurs, c'est encore les cheveux noirs. Ah mon Dieu, donc en fait j'aurai pas de blond encore une fois dans cette famille. On verra bien. En tout cas, on est dimanche, jour 8 sur 14 pour l'automne. Dita est enceinte et c'est prévu pour dans 12 heures, donc dans 36 heures, eh ben, elle mettra bas de la chose à l'intérieur d'elle. Bien sûr, on n'a aucune idée de ce que c'est. Ah, si, on m'a dit, il faut manger des pancakes. Alors, on va manger des pancakes. Il n'y en a pas. Eh ben écoute, tu vas faire des petits pancakes. Voilà. Parce qu'il paraît qu'on a des jumeaux avec ça. J'écoutais, j'ai jamais entendu. Mais si on peut voir si ça fonctionne, d'avoir des jumeaux ou des jumelles, je préfère avoir deux filles. On verra bien ce que ça donne. Alors, petit Drazik s'est endormi. Toi, t'as. Ouais, c'est ta. Toi, t'as. Alors, on a reçu 559 Simflouz. Le marché aux puces est ouvert. Et toi, t'as faim. Bah écoute, tu vas manger cette part de gâteau, effectivement, hein, et puis tu feras après la vaisselle comme un grand garçon que tu es. Et on est dimanche, personne ne travaille, en tout cas Dita ne travaille pas. Non, elle est en repos là, c'est cool. Bah ça c'est très très bien. En tout cas, on risque d'avoir une promotion pour le prochain jour de travail. Donc ça c'est archi bon, youpi! Allez, niveau 5 de compétences cuisine, ça c'est bien. Écoute, tu vas te régaler avec tes pancakes. Toi, tu vas les ranger. Tu vas aller aux toilettes et tu vas venir peindre. Oula, 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 oula. Tu vas faire un peu de peinture, un petit paysage, une petite toile abstraite. Voilà, voilà pour se mettre en jambes dimanche matin. Tranquille, l'empereur, la femme et le petit prince. Bah, c'est lui l'empereur, sa femme et le petit prince qui est là. Oh, bah oui, c'est trop mignon d'ailleurs ça. Ah, j'ai hâte qu'il pop hein, pour qu'on voit un peu sa bouille au petit père. Ouais. On va regarder cette magnifique chaîne pour enfants. Mais cette télé est microscopique quand même. On arrive à 11 000 Simflouz, ce qui est quand même pas mal pour l'instant. Sachant qu'on n'a pas bien sûr tout débloqué. Mais on est bien. On est dans un bon mood. Donc là, pour l'instant, on va regarder un peu le di divertissement pour enfants, pour elle et pour possibilité d'avoir des jumeaux. Mais bon, hein. On n'y croit pas. Moi, j'y crois pas, mais bon, peut-être que si vous y croyez, ça va influencer pour la naissance. Allez, croyez-y à fond, les enfants. On veut des jumeaux, des jumelles de préférence. Hein. Pendant que Darion nous fait des jolies toiles. Elle est très jolie, celle-là. Hein. Mais tu vas la vendre quand même. Et puis, promis, dès que tu nous feras un joli paysage comme ça, on le gardera, on le mettra dans la maison. Quand bien sûr on la refera, et ben on fera avec ses toiles à lui. Hein. Et après, on va commencer une réunion de groupe parce qu'il y a beaucoup de boulot pour la réunion de groupe. Je vous rappelle qu'il faut un groupe de 8 Sims. Donc on y est, on a bien les 8 Sims. Mais il nous faut acheter 10 avantages de groupe. Pourquoi? Ah, ils sont devenus adultes aussi. Oh, les pauvres choux. Ouais, tout le monde est devenu vieux. Hein. Ah non, il y a Paul qui est encore jeune. Ouais, ils sont tous devenus adultes. Et ça avance vite tout ça. Hein. Nickel. Eh ben écoute, tu peux vendre les deux. Ça nous fera du pognon. La petite église qui sonne. Il fait beau aujourd'hui en plus, hein. Ça fait du bien un peu. Le bidou qu'elle a quand même, des tas. Bon, ils sont tous un peu dans le coin. Alors, il y en a qui courent. Il y a Hyde. Il y a Jamie qui court. J'ai vu l'autre Jamie aussi passer. Il y a Xed qui est là. Bref, quoi. Hein. C'est la belle vie. Ah bah, il va se mettre à courir aussi. Bon, il faut gagner des points. C'est les 100. Bah voilà, on gagne un peu de points. Ça, c'est cool. Tiens, tu vas lui demander de poser comme mannequin puisque ça compte pour des points. Tu vas lui annoncer la grande nouvelle au cas où ce serait pas déjà fait. Et tu vas interviewer Xed aussi, tant qu'à faire. Voilà. Maman, il y a Pépé Drazik qui demande de l'attention. Ah là là, il a le cucu qui pue. Voilà, ça ira mieux après. Drazik vient de devenir un bon ami de Dita. Et ben c'est une bonne nouvelle. Tu pourras lui parler aussi, hein. Et puis
On va attendre qu'il saute de son berceau comme un grand petit bébé. Ouais, bah super, celle-là, tu sais, tu vas l'encadrer, tu vas nous la mettre dans l'inventaire. T'as un peu besoin de te divertir. Tiens, tu veux pas faire un petit footing? Ouais, ça nous fera des points en plus. Puis toi, t'es actif, il me semble, hein, si j'ai pas dit de conneries. Ouais, donc ça te ferait du bien de courir, peut-être que ça va te divertir même. Alors, Adita! Oh bah bon, elle a trop de choses à faire elle déjà. Mais regardez-moi ce bidou. Oh, oui. On va arriver à un point, elle va exploser la pauvre. Troisième trimestre dans 4 heures, ok. Dita, Dita! Ton fils redemande de l'attention, je crois qu'il a faim maintenant. Il va falloir s'en occuper. Je sais pas où t'es. Oh là 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 là. Oh la baleine! La baleine va s'échouer dans l'eau! Vite, va t'occuper de ton fils! Elle va pas remonter dans le temps. Non, elle va juste voir Jamie. Lui faire la bise. Hey, salut, ça va? Attends, j'ai mon fils qui m'appelle. Allez, 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 avant qu'on nous l'enlève, là. Ça ne va plus. Oh, pauvre petit chat chouette. Oh, petit garçon. Bon, ça y est. Au moins, il va se taire. Et le pauvre, il avait faim, quoi, quand même. Le combo parfait pour Dita. Hein. Des pancakes en regardant la télé pour enfants. Bon, si on maximise pas nos chances avec ça. Oui, Jamie! Waouh! Quel beau mec! Tiens, tu vas partager des photos aussi. Elle le prend en photo en plus et tout. Quelle coquine! C'est pour ton book perso, Dita. En tout cas, bon, il commence à sortir un peu tard et elle doit aller aux toilettes. Après, tu rentreras aussi aux toilettes. Puisque là, ça ne va plus, ma belle. Darion! Darion! Tu es où? D'accord, rentre à la maison, toi. Vous avez pouvez pas laisser votre enfant seul comme ça hein, pendant longtemps. Hein. Ah belle, elle est dégueulasse. Tu sais pas où est ta maison, t'es perdu. Mais t'es où? Mais qu'il est bête celui-là. Allez là ta maison. Allez viens. Allez viens Coco. Bah viens ici. Allez hop, plus vite que ça. Bon pour l'instant Drazik, il est vraiment très 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 sage, donc tant mieux. Hein. Bon il n'y a pas d'heure pour s'occuper un peu de son réseau social. Puis ça va, il est pas non plus hyper tard. Bon, c'est juste qu'elle est très fatiguée, quoi. Mais bon, c'est normal, hein, ça. Là, on approche de la fin pour le petit bébé, donc ça va pas tarder. Et voilà, maintenant elle est à 1507 abonnés, Dita. Il m'a dit donc, t'en as plus que moi, cocotte. Vous allez refaire un petit crac-crac avant d'aller au lit, histoire de. Ah, toi, bah, t'iras pas aux toilettes. Tu manges, tu finis de manger et puis c'est bon. On maximise les chances. Ah, 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 ah non. T'as Drazik qui râle, qui a son cul tout sale. Vas-y, maman, viens t'en occuper. Pendant que. Monsieur. Non, pas dormir. Non, pas dormir. Tu vas juste venir ici. Regardez-moi, Tita et le gros bidou. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça va être assez calme cet épisode, je pense, parce que comme il travaille pas, bah, il n'y a pas trop d'enjeux, quoi. Voilà, va s'occuper un peu. Et puis vous allez faire un bon petit crac-crac. Parce qu'il paraît que ça fait des jumeaux, tout ça. Alors, entre les pancakes, les trucs d'enfants, et ils manquent la musique aussi, mais pas sûr, moi. Mon jeu, il n'aime pas me faire avoir des jumeaux. Enfin, si, j'en ai eu, mais c'était vraiment même pas pour mes héritiers. Donc, voilà, comme elle, c'est mon héroïne principale. Oh, ce ventre. Oh, voilà. Allez, amusez-vous, les enfants. Rendez-vous dans quelques heures, je pense, pour. L'accouchement, c'était plus. Non, c'était à quelle heure? C'était à 8h du matin, il restait 12h, donc c'est à 8h du soir. Ok, bah écoutez, on va attendre. Hein. Pendant ce temps-là, la réunion est toujours active. Je vais peut-être les relâcher parce que on a quand même pas mal gagné de points. On est quasiment à 600 points. On les rappellera, du coup, plus tard pour faire d'autres points. Ah ouais, non, mais regardez-moi ça. Le pauvre Jamie, il est tout cracra. À force de faire du sport. Ah bah au moins, de chez nous. Hein, bah lui aussi, bah voilà, ils sont tous dégueulasses. Quand tu viens chez nous faire une réunion de groupe, et bah, tu fais du sport, tu es maigre, tu es musclé, tu es genre méga gaulé quoi. Petit Drazik demande maman. Allez. Oh yo 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 yo, Dita. Allez, tais-toi Drazik. Tu bois au loulou du moment. Maman, elle a juste envie de faire pipi, donc tu iras au pipi room et tu mangeras encore, hein, devine, des pancakes. On va insister sur les pancakes, hein, pourquoi pas?
et tu retourneras au lit après. Voilà. Alors le crac-crac s'est quand même bien passé apparemment. Allez, on s'en valait la peine. Avec dans ton état un peu de surfatigue, tout ça, c'est tant mieux. Oh, ça y est! Il a popé! Petite Drasique! Oh, il a les sourcils blonds! Oh, il est mignon tout plein! Alors, sourcils blonds veut pas dire qu'il est blond tout court, hein. On verra. Alors, il a vieilli, il était pas très très chiant. Je vais le mettre Angélique, du coup. Voilà, je me facilite pas forcément les choses, hein. Je l'ai pas mis en tant que. Comment dire? En tant que indépendant, voilà. Comme ça, il va commencer à faire son apprentissage tout seul. Puisque là, on ne va pas avoir le temps. Il est un peu tôt le matin, 4 h du matin. Et puis après, il ira se changer. En tout cas, il a les yeux bleus, mais je pense que les deux parents ont les yeux bleus. Donc, c'est pas un souci. Voilà le petit bébé. Trop chou. Père et fils. Lui, il va pisser. Mais tu vas pisser, moi. Mais va aux toilettes. Mais qu'il est bête, celui-là. Eh ben, le hardarion. T'as le zizi qui goûte et tu vas pas. Qu'il est bête. Alors, mon petit Drasik, il mange ses petits pancakes et puis après, il ira faire un dodo parce que voilà, hein, il est encore tôt ce matin et puis les parents travaillent pas, donc on va se reposer. Attendez, parce que là, s'il va au lit, il va se mettre en pyjama automatiquement, le petit. On va pouvoir voir. Alors! Ben, j'aurais pas pensé. Dans cette partie, les bébés blonds sont calmes. Voilà, c'est pas comme dans le Decades. Ah, les factures sont arrivées, donc je vais devoir me créditer de 2624 simflouz pour les payer. Ok. Alors, ce sera un 15 380 simflouz. Voilà, c'est ça. Vous savez, dans cette partie ici, on ne doit pas payer les factures. Donc là, je me suis crédité ça juste pour payer les factures. Bien sûr, ce n'est pas de l'argent qu'on va garder puisque ça va partir et c'est le jeu, la pauvre Lucette. Donc lui, il ira payer les factures juste après. Comme ça, c'est fait. Et pendant la réunion, on a Paul qui a fait une petite toile classique de qualité médiocre et Jamie qui en a fait un médiocre encore pire. Donc il va pouvoir quand même les vendre. Ça reste des sous qu'on peut se faire à tranquillou. Allez, Dita, là, il est l'heure que tu te lèves quand même. Ah! Est-ce qu'il reste encore des pancakes? Oui, ben écoute, tu vas manger ça. Tu ne travailles pas aujourd'hui, et puis en plus tu es au bord de l'accouchement, donc ça va pas te faire de mal de pas travailler tranquillement, tu vas. Voilà, et puis logiquement, on a la promotion après, et on sera au niveau de carrière 8! Punaise, ça va hyper vite. Cette carrière styliste est quand même hyper facile, hein, j'ai l'impression. Oh, petite Razika! Oh, que tu es cute! Avec ta petite coupe au bol, là. Je pense que je vais la lui laisser, cette coupe, elle est trop chou. Maman, elle va t'apprendre après le pot. Parce que tu vas avoir besoin d'y aller avant que tu fasses dans ta couche. Donc, voilà. Moi, on t'apprend les choses dès que tu sors du berceau et c'est pas plus mal. Voilà, on est parti pour plusieurs longues heures d'attente jusqu'à temps qu'il fasse tranquillement dans son pot. Heureusement, elle est assez gonflée à bloc, donc ça devrait le faire. Toi, tu nous as peint. Ah, nickel! Alors, celle-là, on l'a déjà, donc tu peux la vendre. Celle-là, je l'aime pas trop, tu peux la vendre. Et j'ai déjà bien. Oui, allez, vas-y. Vends-nous ça. On va peut-être rappeler nos amis pour la réunion. Allez, on va rappeler une réunion. Ah, il commence à se faire frais là, apparemment. Les bonnets sont sortis. Ah oui, il commence à faire frais, c'est exactement ça. Et tu vas pouvoir t'occuper et faire ton social, mon petit. Tu vas raconter une blague grossière à Hyde. Enfin, à Jamie Hyde, parce que Hyde, c'est son nom de famille. Je m'étais inspirée de That 76 Show en faisant ce mec. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la coupe de cheveux qui m'a fait. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu peux raconter? Une histoire de sandwich fromage fondu, voilà. Et tu pourras t'habiller aussi quand même à l'occasion. Hein. Là, ce coup-ci, on fait pas de lessive dans cette partie. D'ailleurs, on fera plus jamais de lessive nulle part. À part le Decade Challenge. Ah! Ça sonne encore. Oui, Drasik a fini son premier pipi caca. C'est génial. Bon, ben, voilà, tu vas pouvoir jouer, mon petit, maintenant. Hein. Pouf! Oui, pour l'instant, je l'ai pas encore relooké. Bon, c'est un peu efféminé au nez de ses fringues, mais bon.
Même si Paul se met à papouiller le bidou. Quink, quink. En tout cas, pour l'instant, on va demander, on gagne des points, ce qui est l'essentiel. Tu as complimenté son style aussi. Tu as raconté une histoire drôle. Tu vas te plaindre du temps nuageux et puis. Très bonne réputation! Ça, c'est cool! Dita, the best! Ouf! Ouh, le bébé va pas tarder! Regardez-moi, elle a besoin de pipi assez conséquent. Tu vas devoir monter là et aller aux toilettes parce que là, tu vas te faire dessus. Oh, Papa Darion! Papa Darion, il fait des pompes. Oui, il a la tête dans le berceau. Il va regarder son fils. Enseigner l'utilisation des cubes. Bah, vas-y, fais ça avec ton petit garçon, tiens. Oh, c'est trop mignon! C'est trop chou. Oh là là, je suis fan. Et les nouvelles œuvres de notre groupe. Xed qui a fait ça en médiocre, on va le vendre. Et Jamie, toujours en médiocre à 127. Voilà, ça nous fait toujours des petits sous gagnés. Hein. Oh, c'est-tu pas mignon tout ça? Les petits blonds. Lève la maman et les bébés. C'est pas les mêmes yeux. Ah oui, il a les yeux de son papa. Elle a les yeux un peu plus bleus que Darion. Mais bon, il a l'air cute, cute, ce petit garçon, quand même. Hein. Ah là là. Allez, on se met tous à la peinture. En même temps, c'est une activité de groupe. Pendant ce temps-là, les points montent. Hein. On est à 700. Hein. Les autres, je les maltraite. Ils doivent faire du sport. Ils vont puer et tout. Ils vont avoir des courbatures. Ils vont se tuer à la tâche. Je sais pas où ils sont. Mais... En tout cas, ils sont bien, bien sympathiques hein, dans le groupe. Et le petit Drazik, oh, petit bichon, tu peux babiller avec, tu peux peut-être encore jouer un peu au cube. Et t'avais pris le petit truc là, tu peux rejouer derrière. Ah, tu commences à avoir faim. Bon, ok, on va te faire à manger aussi, bichon. Et pendant ce temps-là, nos potes du groupe se tapent des bains dans notre salle de bain. Bah oui, hein, quand même. Bah, ça évite qu'ils puent, hein, comme ça. Hein. Bon, il est quand même 19h. Ça va pas tarder, je pense, l'accouchement, là. Il va bientôt arriver. Oh, Bazette! Faut juste qu'elle finisse de manger, que je donne à manger au petit, tout ça, là, parce que, bon, ça va vraiment, vraiment pas tarder. Les toiles qu'ils nous ont faites, autant ça, c'est du caca, mais tu peux la vendre. Autant celle-là, je l'aime bien. Tu vas la mettre dans l'inventaire, comme ça. Ça peut être mignon dans une chambre, ça. C'est mignon. Bon, Dita, plus rien ne va, là. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ton fils tranquille, mange. D'accord, avec ton assiette qui n'existe plus. Oui, je sais. Allez, Jamie, il a fini de prendre son bain, là. Donc, tu peux y aller, t'inquiète pas. Et après, si tu veux, tu vas au lit. Mais à mon avis, on est très, très peu loin de la naissance. 20h30, l'heure du crime. En tout cas, elle est partie se coucher. Toi, tu peux... C'est pas grave, tu viens là, ton fils, il va avoir besoin de toi. Ah, ça y est. Ça y est. La naissance arrive. Bon, je lui fais attendre d'avoir un peu plus de force, là, qu'elle soit au moins dans l'orange, et puis on y arrive. Ah bah non, ça y est. Allez, bah écoute, viens coucher. Hein. Attention, révélation! Est-ce qu'on a bien travaillé? Est-ce que les pancakes mixés à la chaîne pour enfants ont marché? Alors, j'ai ma petite liste de prénoms que vous m'avez donné par rapport à la dernière fois, hein, les prénoms que vous m'avez demandé. J'ai quelques petits préférés, donc on va voir ce que c'est, et puis après je vais décider. Allez, Dita! Sors-nous-le! Pendant que le petit à côté... Oh, c'est une fille! Trop cool! Il y a des gens qui vont être contents, et moi aussi. Qu'est-ce que je vais te mettre comme prénom Alors, est-ce que j'hésite entre repartir encore sur du D, puisqu'on a trois prénoms avec D, je trouve ça rigolo. Ou est-ce que je fais complètement autre chose? Parce qu'il y a prénom en D que j'aime bien, en fait, dans les prénoms féminins. Donc, allez, je vais faire en D, puis on verra... Après, alors c'est Daren, je ne sais pas comment ça se dit exactement, c'est d'un personnage de jeu vidéo, je crois qu'on m'a dit dans les commentaires. Je ne sais plus ce que c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, on a une fille, c'est trop cool.
Et il n'y en a qu'une, ah bah, il ne faut pas exagérer. Hein. Une, c'est déjà bien. C'est cool parce que ça veut dire que le prochain bébé, ce sera vraiment du bonus. Voilà, on va la laisser respirer un peu, Dita, parce que la pauvre. Hein. Voilà, deux grosses grossesses et le petit bichon là après qu'il aura fait son pipi. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas aller faire une sieste. Rencontrer son nouveau phare ou sa nouvelle sœur. Oui, mon petit bichon. Et après, t'iras au lit. Voilà. C'est trop tard, elle a déjà accouché. Tu vas aller prendre une douche, toi, une douche rapide, et puis tu vas aller au lit. Parce que petit Drinzik aussi il va se coucher. Et j'en profite pour débloquer cette pièce ici qui est la naissance du deuxième enfant et 400 simflouz. Donc je vais remodifier les fonds. Monnaie 14 429. C'est pas très compliqué. Ça que 400 simflouz la pièce. Et je vais tout de suite mettre la petite lampounette. Puisque nous débloquons une nouvelle pièce. Voilà. Et en remettant ici, on va débloquer. J'ai entendu une musique. Oh, mais ça déconne, mon jeu déconne, parce qu'il va me dire qu'il a grandi alors qu'on sait déjà qu'il a vieilli il y a plusieurs heures, mais il me semble qu'il a déjà fait ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Allez, toute la petite famille part au dodo. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, cette fois-ci, ben, c'est cool, on a encore avancé. On a une petite fille qui est née et le petit garçon qui est tout mignon, tout blond. Bon, j'aurai relooké pour la prochaine fois. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un commentaire, un like et tout ça, et à aller sur ma page YouTube pour regarder une à plusieurs publicités sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre PC, chez votre oncle, votre tante, ma votre grand-mère, chez votre mère, chez votre père. Je rigole. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du challenge de la place du marché ou d'autres choses. Salut!